Good morgen, allez, Idal Nessus, aujourd'hui le lundi Shmat Richard Ben Fortune Mazal et Claude Israël Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude, je t'en contacte à la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Beitza, Perigdalet Mishnazaim. Ed Motsi in et Haur Lomina et Tsim, Velomina Avanim, Velomina Afar, Velomina Maim. Ve en Melabnin et Hareafim, Litzlot Bahen. Ve Adamar Ameli Ezer, Omed Adam Ala Mukze Erev Shabbat Bashvit, Ve Omer Mikan Anino, Ve Oni Ochel Lemacha. Plusieurs petits sujets dans notre Mishnah. Tout d'abord, le début de la Mishnah, c'est en rapport avec le feu, la manipulation du feu à Yom Tov. On a déjà évoqué plusieurs Mishnayot. Là, à présent, on a un nouveau sujet, c'est l'interdit de faire sortir le feu. En Motzin, créer leur feu. Vous savez qu'à Yom Tov, on aurait dû utiliser le feu, mais qu'un allumant à partir d'un feu déjà existant. On n'a pas le droit de faire sortir un nouveau, de créer, d'allumer un nouveau feu, allumer un briquet. Allumer une allumette en la frottant, c'est interdit. Tu dois prendre à partir d'une source de chaleur et manipuler le feu comme ça, ainsi. Là, on va découvrir cet interdit, justement. En motzin et taour, on n'aura pas le droit de faire sortir un feu, c'est-à-dire de faire une flamme, de créer une flamme. Lomina et tsim, ni à partir des bois, en frottant des bois, comme c'était à l'époque, je ne sais pas comment ils faisaient exactement, mais en tout cas, ils avaient un système de frotter les bois, ça faisait sortir du feu. Velomina vanim, ni non plus par les pierres, donc c'est le silex. Velomina afar, ni par non plus une terre, alors je ne sais pas exactement ce que c'est une terre, que si on creuse dans la terre, on trouve une terre qui fabrique du feu, je ne sais pas ce que c'est. Je ne pense pas que ce soit de la lave, par exemple, parce que là, logiquement, il n'y aura pas d'interdit d'allumer à partir de la lave. Donc je ne sais pas ce que c'est. D'accord? Une terre qu'on peut frotter, que ça fabrique de la chaleur, du feu. Mais non plus avec de l'eau. Comment on fabrique du feu avec de l'eau? Système très simple, aujourd'hui on peut le faire avec la loupe. On concentre les rayons du soleil à travers la loupe, et ben c'est le même système qu'ils avaient à l'époque. Ils prenaient un verre d'eau, dans un verre transparent, et le soleil tapait dessus, ça concentrait, condensait les rayons du soleil, et puis ça faisait sortir le feu. Interdit d'allumer avec, de créer un feu de la sorte aussi. Et tous ces interdits-là, ils sont interdits, midera banan, parce que c'est nira ke molide, comme si tu fabriques quelque chose, en fait. D'accord? Tu crées quelque chose, ça ressemble à une melacha, donc c'est interdit, mais c'est que midarban. Ven melabnin et hareafim litzlot ben, autre sujet, qui me dit qu'on n'a pas le droit de... Et la ben, ça veut dire faire pousser à haute chaleur, ouais, parce que le fer, quand on le fait chauffer à haute chaleur, il devient blanc. Et donc, du coup, c'est venu par extension sur tout le matériau. En l'occurrence, là, on parle de réafim, c'est les toits en tuiles, une tuile. Eh bien, t'as pas le droit de la brûler, de la faire chauffer, l'itzlot ben, pour pouvoir griller dessus. C'est-à-dire, ils avaient une technique de faire chauffer, en fait. C'est un peu comme une poêle à notre époque, où on fait chauffer sur une source de chaleur, puis après, on peut casser un œuf dessus, ça cuit. Ils utilisaient ça comme ça, des tuiles. Et la Mishnah m'interdit de l'utiliser. Pour quelle raison? En fait, on parle d'une tuile spéciale, on parle d'une tuile qui est nouvelle. Lorsqu'elle est nouvelle, elle est encore fragile. Dès qu'on la fait chauffer à très haute chaleur pour une première fois, elle va se raffermir, bien se souder, et seulement après, elle va être devenir plus costaud pour la suite. La Mishnah m'interdit de la chauffer pour la première fois pendant Yom Tov. D'accord? Mais si, toutefois, t'as déjà une ancienne tuile comme ça, que t'as l'habitude de. Tu l'as déjà utilisée pour faire griller quelque chose, elle a déjà été chauffée à fond, t'as le droit de la réchauffer, bémette, et de casser ton œuf dessus, tu veux le faire cuire comme ça. Véadama Rabbi Eliezer, autre sujet qu'elle a dit, une autre permission qu'elle a fait Rabbi Eliezer, en rapport avec la Mishnah précédente. Avec l'histoire des brindilles qui traînent dans la cour, où c'était Rabbi Eliezer, l'auteur de la Mishnah. Alors la Mishnah m'a mentionné, sache qu'il y a une autre halakha où Rabbi Eliezer est Mekel dans les lois de Mouktsé. En l'occurrence, c'est quoi? Vadama Rabbi Eliezer, et encore il a dit aussi Rabbi Eliezer, Omed Adam al Mouktsé Erev Shabbat Bajvit. Un homme a le droit de se tenir sur le Mouktsé. Le Mouktsé, c'est une arrière-cour, comme on avait expliqué. Veille de Shabbat de la Shemitah. Waouh! Qu'est-ce qu'il veut dire? Je vais vous expliquer, c'est pas compliqué. Mais d'abord, on avance. Omer Mikan, Ani Ochel le Macha. Je mangerai de ces pérotes qui sont par ici, demain. Sans préciser quels fruits. De ces fruits qui sont là-bas, en train de sécher. Et Chachamim Vachamim, Achir Shom Vyomar. Chachamim dit que ça ne suffit pas de dire je vais manger par là, de ce coin-là. Non. Achir Shom Vyomar, c'est que tu vas délimiter. Tu viens manger de là à là. Plus précisément, Mikan Veadkan. De là jusque-là. Bon. De quoi on parle? Le principe, il est très simple. Après, pourquoi? On l'a exprimé de la sorte, c'est là où ça va devenir un petit peu plus compliqué.
compliqué, mais il va falloir un peu m'expliquer. Le principe, c'est très simple. Il y a, parmi tous les niveaux de Mouktsé en général, les choses qu'on a exclues d'utilisation, il y a un domaine entier qui est très ramour, très grave. C'est les fruits secs, les fruits qu'on a envoyés à mettre à sécher dans les arrière-cours qui s'appellent aussi le Mouktsé. En l'occurrence, on était là-bas ou sur le toit, on prenait des figues, on les laissait là-bas, bien étalées, le soleil tapait dessus et les séchait, ça faisait des figues sèches. Idem avec encore les raisins, on fait des tzimoukim, des raisins secs. Ça, ces fruits-là, ils ont un statut très spécial, ils deviennent Mouktsé. Ça veut dire que si, en fait, en plein milieu de Shabbat ou de Yom Tov, ça te dit d'aller manger une figue, même si elle n'est pas encore faite, tu ne pourras pas monter la chercher parmi les figues qui sont en train de sécher. Parce que pour le moment, tu les as exclus de ton utilisation et ils deviennent Mouktsé. C'est un Mouktsé grave, entre parenthèses, même Rabbi Shimon, qui est très mekel dans les crottes Mouktsé, ce Mouktsé-là, il interdit. D'accord? Ça, c'est, de manière générale, les fruits. Donc, en fait, maintenant, il va falloir les... Pour que tu puisses les manger, il faut que tu les désignes. Il faut que la veille de Shabbat, la veille de Yom Tov, tu vas dire, demain, je mange de ces fruits. Maintenant, quel est le niveau de précision? C'est ça une marloquette, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, ils te disent, c'est celui qui te dit que je vais manger les fruits qui sont de ce coin-là, même si tu ne vas pas les voir un par un. Et que ben, mettre demain, quand tu vas venir, tu vas dire, ah, celui-là, je le prends. Celui-là, je le prends pas. Celui-là, je le prends. Celui-là, je le prends pas. Donc, Rabbi Eliezer te dit, ça suffit, tu as quand même désigné que tu vas les utiliser demain. Tu vas t'en fournir de. Tu vas t'approvisionner de là-bas, tu vas le prendre demain. Mais Chachamim te disent, non, ça suffit pas. Il faut que tu ailles voir exactement lequel. Tu ne peux pas dire, de là, j'en prends 15. Non, il faut que tu ailles dire, je prends celui-là et celui-là, celui-là. Tu dois les finir beaucoup plus précisément. Ça, c'est le principe général de la Mishnah. Plus précisément, comment est-ce qu'on a voulu expliquer qu'il y avait des fruits que tu vas manger pendant Shabbat, donc que pour le moment, ils ne sont pas encore finis? Alors là, on a un problème technique. C'est que, en rapport avec le loi de Trumot Masrot, c'est pour ça qu'on avait parlé de veille, qu'on a parlé de Shvit. De manière générale, lorsqu'on apporte des fruits, le moment de les prélever, c'est que quand ils sont prêts à consommation. Donc si tu amènes des figues que tu veux les faire sécher pour ensuite les manger sèches, pour leur prélever les Trumot Masrot, il faudra attendre qu'ils sèchent. Et pas les prélever depuis tout de suite. Du coup, puisqu'on parle du Mishnah qui est en Israël, où il y a des fruits qui sont posés de Trumot Masrot, ça n'existe pas que tu dis demain, un Shabbat, je vais venir, je vais prendre de ces fruits-là. Et qu'est-ce que tu vas faire demain pour prélever les Trumot Masrot? Shabbat, on n'a pas le droit de prélever les Trumot Masrot. Donc tu es obligé de prélever maintenant. Maintenant, c'est pas, tu ne peux pas les prélever, ils ne sont pas encore faits, les fruits. Donc du coup, ça n'existe pas que veille de Shabbat, tu dis demain, je prendrai de ces fruits-là, parce que de toute façon, tu vas être confronté avec un problème de Trumot Masrot. Il y a quand même une solution qui existe, c'est que si on est dans l'année de Shemitah, il n'y a pas de prélèvement de Trumot Masrot, tout est efker, tout est mis à disposition de tout le monde. Donc du coup, on a le droit de, puisque je peux rentrer chez mon voisin pour prendre un fruit, il n'a pas de propriété affirmée sur les fruits, même les Kohanim et les Lévim peuvent venir s'en servir. Du coup, ces fruits-là ne sont pas imposés de Trumot Masrot. C'est pour ça que la Mishnah nous a parlé de Erev Shabbat, la veille de Shabbat, mais de l'année de Shemitah. Comme ça, il n'y aura plus de problème pour venir demain les ramasser et les prélever les Trumot Masrot. D'accord? Le principe, en tout cas, comme on a dit, l'essentiel de la Mishnah entre Rabbi Eliezer et Chachamim, à savoir, est-ce que ça suffit de désigner de manière générale ou il faut désigner précisément? D'après Rabbi Eliezer, tu désignes de manière générale, demain, quand tu viens, tu analyses et tu continues à prendre. Chachamim font marmirim sur ça, parce qu'ils vont dire, qu'est-ce que ça veut dire que tu prends d'ici? Tu vas venir prendre 15 fruits, tu vas venir, tu vas ramasser un premier, tu diras, ah non, il n'est pas assez sexuel, je préfère prendre celui-là. Tu es en train, dans ce cas-là, de manipuler un fruit qui est mouxé pour rien. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, comme tout, vous savez.